j'habite à Texas, aux États-Unis, mais Dieu m'a donné un cœur pour la France et pour les gens de la France. Je t'aime de tout mon cœur. Oui. Vous souvenez-vous de moi? Oui. You do? OK, good, good. Et ma fille Cassidy est ici. Yay! J'aime votre pasteur. Yeah, votre pasteur, Dorothée. Elle est ma première amie française. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. OK. En anglais maintenant? OK. So today. Donc aujourd'hui. I'm going to light a fire in you. Je vais allumer le feu en vous. Is that good? Est-ce que ça vous va? I want to help you today. Je vais vous aider aujourd'hui. To discover your purpose. À découvrir votre but. To develop habits. Pour que vous puissiez développer des habitudes that will lead you to your dreams. Qui vont vous conduire à vos rêves. Are you ready? Est-ce que vous êtes prêtes? Okay. So let me start with this. Alors laissez-moi commencer par ceci. You know, when things are created, vous savez, quand les choses ont été créées, they're created for a purpose. Elles ont été créées pour un but. Like this right here. Vous voyez ici cet objet? You plug it in, vous le branchez. It gets hot. Ça chauffe. I put it on my hair, et puis je le mets sur mes cheveux. And it makes a curl. Et puis ça me fait des boucles. But this started as a vision. Mais vous voyez, cet appareil a une vision. And it was created for a purpose. Et il a donc été créé pour un but. And it fulfills a purpose in my life. Et il accomplit ce but dans ma vie. Well, let me tell you. Laissez-moi vous dire. This fulfills a purpose. Ceci. Ce mascara accomplit également un but. In my life. Dans ma vie. How about you? Et vous? Et pour vous? See, I would not be married today. Je ne serais pas mariée aujourd'hui. If this was not created. Si cet objet n'avait pas été créé. Am I right? N'est-ce pas vrai? But it started as a vision. Mais ça a commencé par une vision. To fulfill a purpose. Et tout cela pour accomplir un but. Well, thank God. Donc, remercions Dieu Somebody had a vision. Que quelqu'un ait eu cette vision. Right? And it fulfills a purpose, right? Également, ça accomplit un but. And that's all I'm going to say about that. Bon, j'ai pas besoin d'en dire plus, hein. But Jeremiah 29:11. Dans Jérémie 29:11, God said, Dieu a dit, I know the plans, je connais les plans, and the purpose I have for you. Et les buts que j'ai pour vous. Plans to prosper you. Des plans pour vous faire prospérer. Plans to give you hope. Des plans pour vous donner de l'espoir. And a future. Et un avenir. So just like things are created. Donc tout comme ces choses qui ont été créées. For a purpose. Pour un but. You were created. Vous également, vous avez été créés. For a purpose. Pour un but. Amen. Amen. So today. Donc aujourd'hui. I want to share with you. Je vais partager avec vous. Five habits. Cinq habitudes. The Lord taught me que le Seigneur m'a enseigné to discover my purpose. Pour m'aider à découvrir mes buts, mon but. Before I tell you, donc avant que je vous le dise, you know, God has done amazing things in my life. Dieu a fait des choses incroyables dans ma vie. I think I've written 13 books now. J'ai écrit 13 livres maintenant. 7 are in French. 7 d'entre eux sont en français. I have beautiful offices in America. J'ai de magnifiques bureaux aux États-Unis. We have a TV show in the United States. Nous avons aussi une émission télé. I mean more than I ever dreamed. Et vraiment, j'ai plus que ce pourquoi j'ai jamais rêvé. But mais to appreciate that, pour pouvoir apprécier ces choses, you have to know my story. Il vous faut connaître mon histoire. So let me tell you real quick. Donc laissez-moi vous en parler un petit peu. Years ago, il y a des années, I was the most insecure girl you could ever meet. J'étais la femme la plus insécurisée que vous puissiez rencontrer. I could barely look people in the eyes. Je pouvais à peine regarder les gens dans les yeux. I felt so low. Je me sentais vraiment abattue. So insecure. Tellement en ayant manquant tellement de confiance en moi. I thought I was the ugliest person in the world. Je pensais que j'étais la personne la plus moche au monde. Because of some things I went through. À cause des épreuves par lesquelles j'étais passée. When I was 14 years old, quand j'ai eu 14 ans, I was raped by a guy.
J'ai été violée par un homme. At a fitness center. Un coach sportif. A complete stranger. Un étranger. And that's how I lost my virginity. Et c'est comme ça que j'ai perdu ma virginité. By a stranger. Par un étranger. On a gym floor. Sur un au milieu de la gym, de la salle de sport. And after that experience. Et après cette expérience, the devil told me. Le diable m'a dit. You're ugly. Tu es moche. You're fat. Tu es grosse. You're worthless. Tu ne vaux rien. And I believed it. Et j'ai avalé toutes ces choses. Then I got into a relationship with a guy. Puis je suis rentrée dans une relation avec un garçon. That became abusive. Qui est devenu abusif avec moi. He strangled me. Il m'étranglait. He threw me on the ground. Il me jetait par terre. He locked me in a car. Il m'enfermait dans la voiture. And hit my head on a steering wheel. Il me tapait la tête contre le volant. And I stayed with him. Et je restais avec lui for 2 years. Pendant 2 ans, je suis restée avec lui. Because of how I felt about myself. À cause de comment je me sentais, l'estime que j'avais de moi-même. Finally, I got out of that relationship. Et finalement, je suis sortie de cette relation. And my right before I graduated from university. Et juste avant d'être diplômée de l'université. I got pregnant. Je suis tombée enceinte. Before marriage. Before marriage. Avant le mariage. So again, donc à nouveau, I felt worthless. Je me sentais indigne. I got married real fast. I got really fast. Ah oui, j'ai très rapidement, j'ai dû me marier. Okay. 3 weeks after my wedding, trois semaines après mon mariage, I lost the baby. J'ai perdu l'enfant. So one bad thing after another. Donc, une mauvaise chose après une autre. Finally, et finalement, one day, un jour, I looked at my life. J'ai reconsidéré ma vie. Years had gone by. Des années étaient passées. I was separated from my husband. Je m'étais séparée de mon mari. I had no money in the bank. Je n'avais plus d'argent dans mon compte en banque. I was living from paycheck to paycheck. Je vivais sur chèque après chèque. My house was d'un salaire à un autre. My house was a mess. Ma maison était en désordre. I was a mess. Tout comme moi. I had no dreams for my life. Je n'avais aucun rêve pour ma vie. And my daughter was 5 years old. Et ma fille avait seulement 4 ans. And she's looking to me. Et elle regardait à moi for inspiration. Pour trouver de l'inspiration. And I made a decision. Alors j'ai pris une décision. Something has to change. Quelque chose doit changer. And it was me. Et c'était moi. Amen. Amen. And I set a goal for myself. Alors je me suis donné un but. I said I'm going to do 5 things. Je me suis dit je vais faire 5 choses. For 21 days. Pendant 21 jours. Because I heard. Parce que j'ai entendu. If you do something for 21 days. Que si on faisait quelque chose pendant 21 jours. You can start a new habit, right? Alors on pouvait développer une nouvelle habitude. So I said I'm going to do this. Alors je me suis dit c'est ce que je vais faire. Well, during the first 21 days. Pendant les premiers 21 jours, I heard a minister make this statement. J'ai entendu un homme de Dieu faire cette déclaration. And it changed my life. Et ça a complètement changé ma vie. He said, if I could come to your house. Il a dit, si je peux venir chez toi and watch you et t'observer for 24 hours, pendant 24 heures, I could tell alors je peux dire if you're going to be a success or a failure. Si tu vas avoir du succès ou si tu seras en échec. How? Là, je me suis dit, mais comment c'est possible? He said, you pick the day. Il a dit, choisis le jour. But let me just watch you. Laisse-moi simplement t'observer. For one full day. Pendant un jour entier. And I can tell. Et je te dirai. And what direction your life will go. Dans quelle direction ta vie va aller. He said, here's why. Il a dit, voilà pourquoi. The secret of your future. Le secret de ton avenir. Is in your daily routine. Et dans ta routine quotidienne. The secret of your future. Le secret de ton avenir. Is in your daily routine. Et dans ta routine quotidienne. I changed my routine. Donc j'ai changé ma routine. And it changed my whole life. Et ça a changé complètement toute ma vie. So I'm going to share with you. Donc j'aimerais partager avec vous. Those 5 habits. Ces 5 habitudes que j'ai développées. And I'm going to go fast. Et je vais y aller très rapidement. Because ill face show. Parce que. Okay, number 1. Numéro 1. Is to pray. C'est prier.
Now, if you only pick one habit, mais si vous prenez qu'une habitude, this is the one you want to pick. Alors c'est celle-ci que vous devez prendre. So I told myself, alors je me suis dit, whether it's 5 minutes, que ce soit pour 5 minutes, or 1 hour, ou pendant 1 heure, I'm going to spend time with God. Je vais passer du temps avec Dieu. Every morning. Tous les matins. And my dad told me this. Et mon père m'a dit ceci. He said, when you spend time with God, il m'a dit, quand tu passes du temps avec Dieu, always take 2 things with you. Prends toujours 2 choses avec toi. Take a journal. Prends un cahier. And he said, let me grab this. Take a pen. Et prends un stylo. Right? And he said, practice hearing the voice of God. Il m'a dit, apprends à entendre la voix de Dieu. And whatever you hear, et ce que tu entends, write it down. Écris-le. Even if you're not sure. Même si tu n'es pas bien sûr. Is that God? Si c'est Dieu. Or just me? Alors, ça va s'accomplir. Write down what you hear. Écris-le. Écris ce que tu entends. And then I found a scripture. Puis j'ai trouvé un verset. Jeremiah 30, verse 2. Jérémie 30, verset 2. Listen to what it says. Écoutez ce qu'il dit. Write all the words I've spoken to you in a book. Écris toutes les paroles que je te dis. In a book. Dans un livre. So God wants you to journal. Donc Dieu veut que vous ayez en effet un cahier, un journal. Your time with him. De votre temps passé avec lui. You know why? Vous savez pourquoi? Because we forget. Parce que nous oublions. We forget what we hear. Nous oublions ce que nous entendons. And this will give you direction for your life. Et pourtant, ce sont les directions pour votre vie. And you might say, Terry. Et vous pourriez dire, mais Terry. I don't know what God sounds like. Je ne sais pas comment c'est quand Dieu me parle. Well, do you know the Bible says, mais vous savez que la Bible dit that God speaks, que Dieu parle in a still small voice. D'une voix douce. You know what that means? Vous savez ce que ça veut dire? I have the voice of God. Que j'ai la voix de Dieu. I'm just kidding. Non, je plaisante. So number one, donc numéro un, is to spend some time with the Lord every day. C'est de passer du temps avec Dieu tous les jours. Even if it's 5 minutes. Et même si c'est que 5 minutes. Number two. Numéro deux. Is to read books. C'est de lire des livres. Read books that build your faith. Lisez des livres qui vont bâtir votre foi. Now let me tell you a story. Maintenant laissez-moi vous raconter une histoire. When I graduated from university. Quand j'ai été diplômée de l'université. My family had a big party. Ma famille a organisé une grande fête. Félicitations. Pour me féliciter. Celebrating my graduation. Pour vraiment célébrer mon diplôme. And at the party, et durant la fête, I said the dumbest thing I could ever say. J'ai dit la chose la plus idiote que j'ai jamais dite. I announced to the family, j'ai annoncé à ma famille, I will never study again. Je n'étudierai plus jamais. C'est terminé. I thought I finished university. Je me suis dit, ça y est, j'ai fini l'université. I will never read another book. Plus jamais je n'aurai à lire un seul livre. Now here's the sad thing. Et voilà la chose qui est triste. For 11 years, pendant 11 années, I kept my promise. J'ai gardé cette promesse. I never read. Je n'ai plus jamais lu. I didn't go to a conference on a Saturday. Je n'allais pas le samedi assister à une conférence. You know what my schedule was? Vous savez ce qu'elle était mon emploi du temps? I would wake up at the last minute to go to work. Je me levais à la dernière minute pour aller travailler. I would get in my car. Je montais dans ma voiture. Turn on the radio. Mettais la radio. Listen to music. Écoutais la musique. On the way to work. Sur le chemin pour aller au travail. After work. Et après le travail. Jump in the car. Je montais dans ma voiture. Listen to music. J'écoutais la musique. Get home. Je rentrais à la maison. Turn on the television. J'allumais la télévision. And just watch it for hours. Et puis je regardais la télé pendant des heures. And do it again the next day. Et je faisais la même chose tous les jours. For 11 years. Pendant 11 ans. So for 11 years, donc pendant 11 années, I had no money in the bank. Je n'avais donc pas d'argent en banque. I had credit card debt. J'avais des dettes. My house was a mess. Ma maison était en désordre. I had no dreams for my life. Je n'avais aucun rêve pour ma vie. I was more interested. J'étais bien plus intéressée in watching other people live their dream. À regarder les autres accomplir leurs rêves. Than me go after my dream. Qu'accomplir mes propres rêves. And one day, et en un jour, I said, I'm gonna make myself read a book. Je me suis dit, je vais me mettre à lire un so livre. I set the alarm on my phone. Alors, je me suis mise une alarme dans mon téléphone 20 minutes. Pendant 20 minutes.
And I began to read. Et j'ai commencé à lire. And I hated it. Et je détestais ça. It was like torture. C'était comme une torture pour moi. But I made myself read. Mais je me suis forcée à lire. And I did it again the next day. Et j'ai fait la même chose And le I jour did suivant. It again the next day. Et le jour suivant. And something surprising began to happen. Et quelque chose de surprenant a commencé à ce qui s'est passé. The more I read, plus je lisais, the more I began to learn. Plus j'apprenais. The more I learned, et plus j'apprenais, the more I began to earn. Plus je gagnais. Do you know what happened? Vous savez ce qui s'est passé? The next 11 years, les 11 années qui ont suivi, I went from writing books for other people, j'ai suis passé de lire des livres qui appartenaient à d'autres personnes, to writing my own books, à écrire mes propres livres. I went from attending conferences. Je suis passée d'assister à des conférences to speaking at conferences. À être moi-même oratrice dans des conférences. I went from watching TV for hours. Je suis passée de regarder la télé pendant des heures to hosting a TV show. À moi-même avoir ma propre émission de télévision. What happened? Qu'est-ce qui s'est passé? As I began to grow. Alors que je commençais à croître. Everything began to grow. Tout autour de moi a également commencé à croître. My relationships. Mes relations. My salary. Mon salaire. My opportunities. Mes opportunités. Everything grew. Tout grandissait. Because I grew. Parce que moi, je grandissais. Okay, number three. Donc, numéro 3. Is to listen. C'est d'écouter. To faith messages. Un message de foi. Listen to messages. Écoutez des messages that build your faith. Qui vont bâtir votre foi. Merci beaucoup. You know, the Bible says, vous savez, la Bible dit that faith comes by hearing. Que la foi vient en entendant. So I knew I had to build my faith. Donc, je savais que j'avais besoin de bâtir ma foi. But I had to ask myself, mais il fallait que je me demande when are you gonna do this? Quand j'allais faire cela. So I thought, well, I could do this in the morning. Alors je me suis dit, bon, je peux faire ça le matin. While I'm getting ready, quand je me prépare. I have to get ready anyway. Parce que de toute façon, je dois me préparer. It takes a long time to look like this. Vous savez, ça prend du temps hein, d'apparaître comme ça. You have no idea. Vous n'avez aucune idée. So I said, every morning. Donc tous les matins. But keep in mind. Gardez, mais souvenez-vous. I wasn't disciplined yet. Je n'étais pas encore disciplinée. So I got a little note. Donc j'avais des petites notes, je me mettais des notes. And I wrote push play. Et donc j'écrivais sur ces notes appuie sur play. And I put it on the bathroom mirror. Et je le mettais sur le miroir. I walked in there the first morning. Donc le premier matin, I said, "Oh yeah, push play." Je me suis dit, ah oui, c'est vrai, il faut que j'appuie sur lecture. And I began hearing God's word. Et donc c'est comme ça que je commençais à entendre la parole de Dieu. Et encore. Hearing God's word. But you know what happened? Mais vous savez ce qui s'est passé? Something happens. Quelque chose s'est passé. When you hear God's word. Quelque chose se passe quand vous entendez la parole de Dieu. It's not like having the TV on. Ce n'est pas comme simplement regarder la télé. God's word. La parole de Dieu. It's down on the inside of you. Elle est téléchargée à l'intérieur de vous. And it changes you. Et elle vous change. From the inside out. De l'intérieur vers l'extérieur. And I began to learn things. Et donc j'ai commencé à apprendre des choses. Like successful people. Par exemple, que les personnes qui ont du succès. They make positive declarations. Qu'elles faisaient des déclarations positives. So I did that. Alors j'ai fait la même chose. This is the book in English. Voici mon livre en anglais. I made a list. J'ai fait une liste of positive declarations de déclarations positives to speak over myself. Que je pouvais dire à mon sujet sur moi-même. Things like this. Par exemple, I said, I am confident. Je déclarais, j'ai confiance en moi. Why? Pourquoi? Because I was insecure. Parce que justement, j'étais insécurisée, je n'avais pas confiance en moi. I said, I am courageous. Je disais, je suis courageuse. Why? Pourquoi? Because I was full of fear. Parce que justement, j'étais pleine de peur. I said, I am qualified by God. Je disais, je suis qualifiée par Dieu. Because I felt unqualified. Parce que je ne me sentais inqualifiée. I said, I am beautiful. Je disais, je suis belle. Inside and out.
à l'intérieur et à l'extérieur. I said, I'm sensitive to God's voice. Je disais, je suis sensible à la voix de Dieu. I'm in the right place at the right time. Je suis au bon endroit au bon moment. I have the favor of God. J'ai la faveur de Dieu. God is opening doors for me. Dieu ouvre des portes pour moi. I said, I'm confident. Je disais, j'ai confiance. To speak to live audiences. Je suis suffisamment confiante pour parler en direct à un grand public. I even said, j'ai même dit, I'm an expert. Je suis une experte. In the message God has given me to share. Dans le message que Dieu me donne à partager. Now here's the thing. Mais voilà la about chose. Speaking positive words. Lorsque l'on parle positif, your voice, votre voix, is the most powerful voice in your life. Devient la voix la plus puissante de votre vie. And what you repeatedly hear, lorsque vous répétez ces choses, you believe. Vous commencez à y croire. So every morning, donc chaque matin, I would walk into another room, j'entrais dans une autre pièce, get my list of declarations, je prenais ma liste de déclarations, and speak them out loud. Et je parlais sur ma vie. Now let me remind you, maintenant, laissez-moi vous rappeler, God's word says, que la parole de Dieu déclare, that we are snared by the words of our mouth, que nous sommes le produit de nos lèvres. Do you know what a snare is? Vous savez ce que c'est qu'un? It's a trap. C'est un piège. A Texas mouse. C'est un attrape-souris. C'est grand. When you speak negative words, quand vous dites des paroles négatives, you're trapping yourself, vous piégez vous-même, into what you don't want, dans les choses que justement vous ne voulez pas. So when you say things, donc quand vous dites des choses, like no matter what I do, par exemple, peu importe ce que je fais, I can't lose weight, je n'arrive pas à perdre du poids. You just trapped yourself. Et ben vous piégez vous-même. Into not losing weight. Dans le fait que vous n'allez effectivement pas perdre de poids. When you say things, quand vous dites des choses, nothing good ever happens to me. Par exemple, il ne m'arrive jamais rien de bien. You just trapped yourself. Et ben vous êtes en train de vous piéger vous-même. So you have to stop speaking negatively. Donc il faut vraiment arrêter de parler négativement. And start speaking positively. Et commencer à parler positivement à votre sujet. So I began to learn that. Donc j'ai commencé à apprendre ces choses. Every morning, chaque matin, when I push play, j'appuyais sur le bouton lecture. And you know what happened? Et vous savez ce qui s'est passé? My life began to move. Ma vie a commencé à bouger. In the direction of my words. Dans la direction de mes paroles. Does that make sense? Est-ce que ça a du sens pour vous? Okay. Number four. Numéro 4. Is to write your dreams and goals. C'est écrivez vos rêves et vos buts. That is a principle. Ça c'est un principe. From God's word. De la parole de Dieu. Proverbs 29:18. Proverbe 25:18. It says where there is no vision. Dit que là où il n'y a pas de vision. The people perish. Le peuple périt. Let's just imagine. Just imagine. Imaginez. The conference is over. Que la conférence se termine. And it's pouring down rain outside. Et que dehors, il y a vraiment une averse. And you get in your car, et puis vous devez aller à votre voiture. You turn the car on, vous arrivez à votre voiture, puis vous allumez le contact. It seems fine, et puis tout semble bien aller. Pouring down rain, il pleut dehors. The air works good, mais l'air est bon. The radio works, la radio fonctionne. Everything works, tout fonctionne. Pouring down rain, mais pourquoi il pleut? Except for one thing. Tout va bien, mais il manque, sauf pour un problème. Il y a un problème quand même. How many of you know? Combien d'entre vous, vous savez? You're not going anywhere. Que si vos essuie-glaces ne fonctionnent pas, vous n'allez pas aller, vous allez aller nulle part. See, as long as your vision is impaired. Voyez, tant que votre vision est obstruée, you'll stay where you are. Vous resterez là où vous êtes. Does that make sense? Est-ce que vous comprenez? So I finally, donc finalement, began to dream. J'ai commencé à rêver. And I started to write my dreams. J'ai commencé à écrire mes rêves. God is the one who said, Dieu est celui qui a dit, write the vision. Écris la vision. Make it plain on paper, right? Et prenez un crayon et un papier. So I started putting pictures. Donc j'ai aussi commencé à ajouter des images. I went to a bookstore. Je suis rentrée dans un magasin. And I posed in front of the bookstore. Et j'ai fait une photo devant cette librairie. I said, I'm a successful author. Et j'ai dit,
J'ai noté, je suis un auteur à succès. I didn't even have a book. Je n'avais même pas encore écrit un livre à ce moment-là. But I was dreaming. Mais je rêvais. Like God said to do. Comme Dieu nous demande de le faire. And I was writing the vision. Et donc j'écrivais la vision. Like God's word says to do, right? Comme la parole de Dieu le demande. I put a picture. J'ai aussi mis d'autres images. Of France. Des images de France. And I said, in Jesus' name, et j'ai dit dans le nom de Jésus, I'm asking you, Lord, Seigneur, je te demande to open doors de m'ouvrir les portes for me to go to France. Pour que j'aille en France. And it seemed crazy. Et ça a l'air fou. People would say to me, les gens me disaient, Terry, mais Terry, you live in Dallas, Texas. Tu vis à Dallas, au Texas. Why do you want to go to France? Pourquoi tu veux aller en France? I said, God put it in my heart. J'ai dit, Dieu l'a mis dans mon cœur. And I believe in my dreams. Et je crois dans mes rêves. I put pictures. Alors je prenais d'autres images. Of thousands of people. Des images avec des un public des milliers de personnes. And I said, Lord, I'm asking you. Et je disais, Seigneur, je te demande to open a door. De m'ouvrir les portes. For me to minister to thousands of people. Pour que je puisse vraiment prêcher à des milliers de gens. Now when I wrote these dreams, et quand j'ai écrit ces rêves qui avaient l'air impossibles, they looked crazy, qui avaient l'air fous, my friends laughed at my dreams, mes amis se sont moqués de moi au sujet de mes rêves. But here's what I want you to know. Mais voilà ce que je veux que vous sachiez. There's a principle in God's word, il y a un principe dans la parole de Dieu that you become what you behold. Qui dit que vous devenez ce pourquoi vous croyez, ce en quoi vous croyez fortement. What you keep before your eyes, ce que vous gardez devant vos yeux, it will show up in your life. Finira par se manifester dans votre vie. Do you believe it? Est-ce que vous le croyez? I mean, here's an example. Voilà un autre exemple. The first time I walked into a bookstore and saw my books. La première fois que je suis rentrée dans une librairie et que j'ai vendu mon livre. Here I am today ministering in France. Et me voici aujourd'hui en train de prêcher en France. I mean, I could show you one after another. Donc un rêve après l'autre. Here I am speaking to thousands of people. Ici voilà une photo de moi en train de prêcher à des milliers de gens. But do you know what I was doing? Mais vous savez ce que je faisais? Giving myself permission to dream. Je me suis autorisée à rêver. And you have to do the same thing. Et vous devez faire la même chose. What can you imagine? Que pouvez-vous imaginer? I always tell people. Je dis toujours aux gens. Let's imagine. Imaginez. It's December 31st. Que le 31 décembre of this year. De cette année. Just imagine forward. Essayez de vous projeter jusque-là. It's New Year's Eve. À la veille du Nouvel An. It's cold outside. Et qu'il fait froid dehors. You have your party hat on. Vous avez mis vos vêtements de fête. And you turn to your friend. Et vous vous tournez vers vos amis. And you say this. Et vous leur dites. C'était la meilleure année de ma vie. Imagine that. Imaginez ça. C'était la meilleure année de ma vie. What needs to happen for you to say that? Qu'est-ce qu'il faut qui se produise pour vous pour qu'au 31 décembre, vous puissiez dire ça? That's what you need to write down. Et c'est pourquoi il vous faut écrire vos rêves. Can you do this? Est-ce que vous allez le faire? Okay. And my last point, number five, et mon dernier point, numéro 5, habit, la cinquième habitude à développer, was exercise. C'est de faire de l'exercice. Now, I don't have time to teach on this, alors, je n'ai pas trop le temps d'enseigner là-dessus. But God began to teach me, mais ce que Dieu m'a enseigné, stop looking at the 1 hour you don't have. C'est arrête de regarder à l'heure que tu n'as pas. Look at the 20 minutes you do have. Mais regarde aux 20 minutes que tu as. And go for a walk. Et va simplement marcher. Do something. Fais quelque chose. To take care of your physical body. Pour prendre soin de ton corps physiquement. But this was the biggest thing I learned. Et ça, c'est la plus grande chose que j'ai apprise. Ladies, you're gonna appreciate this. Et vous allez aimer cela. When I turned 40 years old, quand j'ai eu 40 ans, almost 13 years ago, donc il y a à peu près 13 ans, people said to me, les gens m'ont dit, Terry, you just wait. Tu attends un petit peu. When you turn 40, quand tu as eu 40 ans, your body is gonna change. Tu verras, quand tu auras 40 ans, ton corps va changer. You're gonna gain weight. Tu vas prendre du poids.
You're going to have to work out twice as hard. Tu vas devoir t'entraîner deux fois plus dur. You can't eat the cupcakes. Tu pourras plus manger de cupcakes. I said, I bind you in the name of Jesus. J'ai dit, je te lie au nom de Jésus. I love my cupcakes. J'aime mes cupcakes. But here's what I found out. Mais voilà ce que j'ai découvert. The more I heard that, plus j'entendais cela, the more I believed it. Plus je croyais en cela. And the more I believed it, et plus je croyais the en ces choses, I spoke it. Et bien, de plus je le parlais. Well, if you want to know where your life is headed, donc, si vous voulez savoir dans quelle direction va votre vie, listen to the words coming out of your mouth. Écoutez aux paroles qui sortent de votre bouche. I started saying things. J'ai commencé à faire des choses. Like, I'm gaining weight. J'ai réalisé, mais je prends du poids. I'm working out so hard. Pourtant, je m'entraîne dur. And nothing is happening. Et rien ne se passe. No matter what I do. Peu importe ce que je fais. And finally, et puis finalement, I realized j'ai réalisé that it was a trap. Que c'était un piège. So I had to stop speaking negatively. Alors j'ai dû arrêter de parler négativement. And start speaking positively. Et commencer à parler positivement. Over my body. Sur mon corps. So I made a list. Alors j'ai fait une liste. Of positive declarations. De déclarations positives. And I started saying. Et j'ai commencé à dire. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. I declare. Je déclare. I'm fit. Que je suis mince. I'm muscular. Je suis musclé. I have energy. J'ai de l'énergie. I have a fast metabolism. J'ai un métabolisme rapide. I'm disciplined. Je suis discipliné. I love to work out. J'aime m'entraîner. I eat whatever I want to eat. Je mange ce que je veux. You like that? Vous voulez la même chose? And then I started speaking God's word. Et puis j'ai commencé à parler la parole de Dieu. Over my body. Sur mon corps. There's a scripture that says, il y a un verset qui dit, God has not given us, que Dieu ne nous a pas donné, a spirit of fear, un esprit de peur, but of power, mais un esprit de puissance, and of love, d'amour, and self-discipline, et de discipline. And I began speaking those out, et donc j'ai commencé à déclarer ce verset, every day, tous les jours, and guess what happened? Et vous savez ce qui s'est passé? The weight began to fall off. Le poids a commencé à descendre. God's word is powerful. La parole de Dieu est puissante. But we have to speak it out, don't Mais we? Il nous faut la parler. So I want to challenge you today. Donc j'aimerais vous défier aujourd'hui. If you will change your routine. Et savoir si vous changez votre routine. You'll change your whole life. Alors vous changerez toute votre vie. Can we do this? Est-ce que vous pouvez faire cela? Are you going to do it? Moi, qui va le faire? Number one. D'abord, numéro un. Spend some time with the Lord. Passez du temps avec le Seigneur. Even if it's 5 minutes. Même si c'est que 5 minutes. Number two. Numéro deux. Read something. Lisez quelque chose. Read books that build your faith. Lisez des livres qui vont bâtir votre foi. Number three. Numéro trois. Listen to faith messages. Écoutez des messages de foi. Listen on your way to work. Quand vous allez au travail. And on your way home. Et quand vous rentrez à la maison. Number four. Numéro 4. Write your dreams and goals. Écrivez vos rêves et vos buts. And number five. Et numéro 5. Some kind of exercise. Commencez à faire de l'exercice. Here's what I can tell you. Voilà ce que je peux vous dire. If you do this. Si vous faites ces choses. For 30 days. Pendant 30 jours. You will not be where you are today. Vous ne serez pas là où vous êtes aujourd'hui. You will be changing on the inside. Vous allez commencer à vous transformer de l'intérieur. And as you begin to grow, et alors que vous commencez à grandir, everything around you will grow. Tout autour de vous va également grandir. Amen. Amen. Okay, I hope that helps you today. Well, I want to mention to you that we did bring my brand new book. J'aimerais vous mentionner que nous avons emmené mon tout nouveau livre, Le langage du succès. And this is where I teach you. Et c'est dans ce livre que je vous enseigne justement. How to speak positive words. Comment parler des paroles positives. There's a whole section in here. Il y a toute une partie, une section dans ce livre. On speaking declarations. Au sujet de parler des déclarations. To help you. Pour vous aider. Get free from your past. À vous libérer de votre passé. To build your self-image. Et pour bâtir votre image. There's a whole chapter. Il y a un chapitre entier. On what to speak over your body. Pour vous aider à déclarer, à trouver quoi déclarer sur votre corps. There's a whole chapter. Il y a aussi un autre chapitre. On what to speak over your family. Sur ce que vous pouvez déclarer sur votre famille. I forgot to tell you. Et j'ai oublié de vous dire. I began to speak God's word.
J'ai commencé à parler la parole de Dieu over my marriage, sur mon mariage. And God restored my marriage. Et Dieu a aussi restauré mon mariage. I know. Thank Amen. You, Jesus. We've been married 30 years. Nous avons été mariés 30 ans. And then I put declarations et donc, j'ai mis des déclarations on what to speak over your future. Et aussi sur ce que vous pouvez déclarer au sujet de votre avenir. In America, we say it like this. Aux États-Unis, on a un dicton. If you change what you're saying, si tu changes ce que tu dis, you'll change what you're seeing. Alors tu changes aussi ce que tu pourras voir. So I believe you can do this, donc right? Je crois que vous pouvez faire ça. Okay. So the other thing I wanted to mention, une dernière chose que j'aimerais mentionner, this is an exciting announcement. C'est une annonce très enthousiasmante. So, you know, I like to make vision boards. Vous savez que j'aime faire des vision boards, des tableaux de vision. Have you heard of vision boards? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? De vision board, de tableau, de vision? So I wrote a book. Alors, j'ai écrit un livre. And it's in French. Qui est maintenant en français. It's called Vivez-le, affichez-le. No, it's called Rêvez-le, affichez-le, vivez-le. Right? Dream it, pen it, live it. Yeah. It's in French. Donc, c'est en français. But here's the exciting thing. Mais voilà ce qui est intéressant. I have an online course in America. Aux États-Unis, je donne des cours en ligne. Where I teach people how to make a vision board. Où j'explique aux gens comment créer leur tableau de rêve. According to God's word. Selon la parole de how Dieu. How to discover what does God want you to do. Comment découvrir ce que Dieu veut pour vous. And then how do you build your faith? Et puis comment bâtir votre foi. To go after those dreams. Pour pouvoir vraiment poursuivre ses rêves. Well, as of today, et à partir d'aujourd'hui, the entire course, tous les cours, is in French. Sont en français. Yay! I know. I'm so excited. My daughter, ma fille, has been working with someone in France. Elle a travaillé avec une personne en France. To get this course ready for today. Pour que ces cours soient disponibles aujourd'hui. Now I think we might have a slide we could put on the screen. Je pense qu'on a quelques images. This is six videos with me. Donc il y a six vidéos avec moi. And you also get the e-book in French. Et vous obtenez aussi le e-book en français. And it's normally 97 euros. Et normalement, c'est 97 euros. But, mais, are you ready for your surprise? Est-ce que vous êtes prêt pour la surprise? Yes, it's 8 euros. Eight. C'est seulement maintenant à 8 euros. Is that good? So, I want it to be a blessing to you. Parce que je voulais vraiment que ce soit une bénédiction pour vous. So instead of 97, donc changer le prix de 97 euros. I said, let's do the number 8. Et j'ai juste mis à 8 euros. You know why? Vous savez pourquoi 8? The number 8. Parce que le chiffre 8 means new beginnings. Signifie nouveau commencement. And that's what God wants to do. Et amen? C'est ce que Dieu veut faire. Okay. So, I hope that's a blessing to you. Donc j'espère que cela vous a béni. I believe we have a table somewhere. J'espère que vous oui, voilà, que vous le trouverez sur une table quelque part. And I would love to go back there. Et puis, je vais aussi me tenir sur le fond. And sign the books. Et puis aussi pouvoir dédicacer le livre. And give you a little kiss-kiss. Et vous faire une embrassade. So I just want to tell you, donc, je voulais simplement vous dire, je t'aime de tout mon cœur. Thank you so much. I love you so much. Je vous aime tellement. And also, et également, j'aime les pom-pom girls. The pom-pom girls, yay! That was so cute. C'était trop mignon. C'était très mignon. Okay, so tomorrow, donc demain, I'll be back. Je serai de retour. And I'm going to share a different message. Et je vais partager un message différent. So we're going to have fun tomorrow. Donc on va aussi s'amuser demain. But is it okay if I pray over you? Est-ce que ça vous va si je prie pour vous? Okay, y'all want to stand up? Alors s'il vous plaît, levez-vous. I don't know how to say stand up in French. Levez-vous. Levez-vous. Okay. I'm teaching my dog French. J'enseigne à mon chien le français. His name is Beauregard Beignet. Son nom est Beauregard Beignet. And I say, tu t'assois. Je lui dis. Is that right? Yeah. And he'll sit. And I say, enchanté.
Et je lui dis enchantée. And he goes like this. Et il lève It's la patte so comme cute. Ça. Et c'est trop mignon. Okay. I would love Donc j'aimerais for you to lift your hands. Que vous leviez vos mains, s'il vous plaît. This is the sign of surrender. C'est un signe d'abandon. And I believe today, et je crois qu'aujourd'hui, we're going to surrender everything. Nous allons tout abandonner à Dieu. Your past, votre passé, the hurts, les blessures, the memories, les souvenirs, and we're going to focus on the future. Et on va se focaliser sur l'avenir. It's time for a new beginning. Il est temps pour un nouveau commencement. So Father, in the name of Jesus. Donc Père, dans le nom de Jésus. Lord, I praise you. Dieu, je te loue. I thank you. Je te remercie. For this divine appointment. Pour ce rendez-vous divin. It is not an accident. Ce n'est pas un accident. That each person was here today. Que les toutes ces personnes sont là aujourd'hui. And Father, I believe. Et Père, je crois. You are stirring up dreams. Que tu réveilles les rêves. On the inside of them. À l'intérieur d'elles. And Father, I ask you. Et Père, je te demande. To speak to them. De leur parler. And they will know your voice. Et qu'elles entendent ta voix. And they'll receive wisdom. Et qu'elles reçoivent de la sagesse. And direction. Et de la direction. And guidance. Et de l'orientation. In every area. Des directives dans tous les domaines. Father, I ask you. Père, je te demande to connect them with the right people. De les connecter avec les bonnes personnes. Give them the favor of God. Donne-leur ta faveur. And Lord, your word says, et Seigneur, ta parole déclare, do not remember the former things. De ne pas nous souvenir des choses passées. Nor consider the things of old. Et de ne pas non plus considérer les choses anciennes. You're doing a new thing. Parce que tu fais une nouvelle chose. And now, et maintenant, it shall spring forth. Il y aura de l'abondance. In Jesus' name. Au nom de Jésus. And we say, thank you, Jesus. Et nous disons merci, Jésus. Amen. 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 Love you.